Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors donc c'est juste pour vous donner une petite update à propos de mon appartement. Donc super bonne nouvelle. Ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, j'ai une personne qui est venue visiter mon appartement. Ok. Qui était intéressée. Ensuite, elle a demandé à avoir une deuxième visite. Et là, en fin de compte, la deuxième visite, c'était pas elle. C'était, je pense que c'était ses grands-parents. J'imagine que les grands-parents financent l'appartement, ou l'aident en tout cas. Et donc je suis allé voir ma maman, voilà, on était à Paris, le téléphone sonne, l'agence m'appelle en me disant, voilà, on a une offre pour votre appartement. Voilà, c'est donc une offre très intéressante. Donc moi je dis, bah ouais, hein, je suis bon, chaud patate quoi. Et là, en fin de compte, l'agence, elle me dit, écoutez, non, là c'est... On va pas dire oui tout de suite, parce que sinon ça va être trop facile, elle doit se dire, ouais c'est bon, le mec il doit être désespéré, c'est pas la peine. Donc on va mettre la barre un petit peu plus haute et voir ce qui se passe. Donc, quelques minutes après, l'agence me rappelle et me dit, ben, alors, la personne est prête à mettre 5000 pounds de plus, et tenez-vous bien, 5000 pounds de plus, mais elle veut mes meubles avec. Alors là, j'étais un peu bluffé, je me suis dit, waouh, je m'attendais pas du tout à ça. En réfléchissant l'espace de quelques secondes, hein, parce que là, j'étais encore au téléphone avec elle, Oliver était à côté de moi, je lui dis, bah écoutez, madame, c'est ok. C'est ok parce que la simple et bonne raison que les meubles que j'ai ici, ben, c'est bien pour un deux pièces. Mais là, on va avoir trois chambres, salon, salle à manger, une salle, je sais pas encore à quoi ça sert. Voilà, donc on va avoir d'autres besoins. Et ben, dans le besoin, ça sera des meubles qui seront adaptés à la maison. Alors que si ceux-là sont déjà adaptés à cet appartement, donc bon, bah c'est pas grave, voilà. Donc la seule condition que j'ai demandé, c'est que je garde mes fauteuils, mes sièges de table, parce que franchement je les adore, à 175 pounds pièce, je lâche pas l'affaire, et mon lit qui m'a coûté pas loin de 2000 pounds. Donc non, je lâche pas l'affaire non plus. Mais sinon, tout le reste peut, enfin tout... pour le placard dans la chambre, elle a demandé pour les étagères aussi, elle voulait garder les étagères, les rideaux, enfin je lui dis bah ok, il n'y a pas de problème, tu prends tout ce que tu veux ma chérie. Bon, je laisse bien sûr le frigo, la machine à laver, voilà quoi. Donc voilà, je vais repartir avec quelques cartons et des fringues. Ouais. Mais c'est pas plus mal en y réfléchissant, parce que comme ces meubles-là ne vont pas aller dans ma maison, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais les mettre dehors et je vais demander à ce que le council, c'est on va dire la mairie, passe et les récupère. Et ça, c'est un service payant. Donc là, à la rigueur, je laisse tout sur place et puis voilà quoi. Tout le monde est content. Eux, ils ont des meubles qu'ils veulent, voilà. En gros, je pense qu'ils veulent, je crois que c'est dans les premiers temps, je crois que la jeune fille qui est venue visiter en premier va habiter ici. Et après ça, ils vont mettre tout ça en location et ça sera prêt à tourner, quoi. Parce que c'est déjà meublé. Et moi, dans l'histoire, j'ai un peu plus d'argent et puis je pourrais m'acheter de nouveaux meubles. Voilà, et tout le monde est content. Voilà, donc du coup, on va essayer de faire au plus vite pour ça. Et après ça, on va passer à autre chose. Et franchement, là honnêtement, je peux dire que mon rêve, je commence à le sentir, quoi. Là, c'est limite, je peux l'effleurer, tellement que c'est bien. Voilà, je suis super content. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin en plus. Voilà, on va dîner avec... je vais dîner avec ma nièce et son copain. Oliver sera là aussi. Et puis, on va se faire une petite Saint-Valentin en double date.
Bon, bah voilà, je vous souhaite de passer une très très bonne journée, une très bonne Saint-Valentin à tous. Et bah, vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passe. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. De gros bisous et à une prochaine vidéo. Ciao! Oh oui, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et... bah, j'ai déjà dit abonner. Oui, j'ai dit abonner. Abonnez si c'est pas déjà fait, voilà. Et abonnez-vous. Je vous embrasse, bisous à tous.